J'ai pas encore de cendre à mettre sur bouclier par contre. Vous avez looté les... Ah oui, Pookie, t'en as une toi, cendre de bouclier. Il est beau en tout cas le boubou, hein. Là j'ai moins l'impression d'avoir un bouclier de merde, celui-là je vais peut-être l'améliorer. Mais je pense qu'il faut des pierres de forge. Si le bouclier n'a pas de compétence, compétence de l'arme principale qui est utilisée, sinon c'est celle de bouclier. Je suis pas sûr de comprendre. C'est-à-dire qu'en gros, si j'enlève mon arme à droite, ça sera le bouclier qui deviendra qui. Sur mon L2, yes. Si je range mon arme, en fait, ça sera celle du bouclier, c'est ça? Et non. Et pourtant, j'ai bien récupéré mes âmes. Tant pis. Je pourrais le lâcher pas, j'en sais rien. Attends. Parce que là, tu attaques. Non, merde. Non, bah, je sens rien. C'est pas. En gros, le bouclier est prio sur l'arme en termes de cendre. Je comprends pas. Je suis désolé, les gars. Je sens que vous essayez de me dire un truc, hein, mais je vois absolument pas de quoi parler. Donc là, il y a le TP. Faudrait que je revienne. J'aimerais bien trouver un feu quand même. Ah oui, mais dans tous les cas j'ai pas de centre de bouclier donc le problème est résolu, hein. Ok. Bon, si tu appuies sur le 2, tu as une sorte sur le boubou, plus l'arme. Yes. Le bouclier est prêté dans ce sens là, d'accord. Non. Qu'est-ce que j'ai... Oh putain. Je peux en fumer un. Pas de soucis. Fait mal en vrai, hein. Chef. Pas en forme, hein. Ah, j'ai cru qu'il se fightait. Oh oui. Un peu ça. Coucou. Merde! Le mur qui baise. Oh, une clé. Lame d'affûtage de pierre d'éclat. Non, je voulais voir s'il n'y a pas un mur caché. Lame d'affûtage de. C'est ça. Permet de sélectionner. What? Lame d'affûtage d'un. Lorsque vous appliquez une affinité au moyen de cendre, de guerre, de catégorie physique ou magique, vous pouvez choisir une affinité supplémentaire, magique ou glace. Je sais pas si c'est le tien, mais je passe mon temps à faire bodybug par le décor dans les fights de boss. Ça dépend, ça arrive, mais c'est rare. Mais ça arrive, clairement. Donc là, je peux soit progresser. Ah, je suis au-dessus. Tu sais, c'est l'entrée, et à droite, ouais, c'est là où il y a le boulet là-bas. Là, je suis bien comme il faut. Parce que là pour l'instant je trouve pas de feu quoi. J'aime bien autre. Donc là on est d'accord qu'il y avait rien d'autre. Pas abusé. Attends, il va voir ce qui va passer. Donc attends, résumons. Je viens de là. Je suis allé ici. Il y en a derrière moi. Putain. Oh. Est-ce que je tank bien? Je vais juste voir. Tiens-moi dessus. Ah, je prends un peu de dégâts encore. Et celle-là. Et là, c'est pas celle à côté du feu? Si. Ok, et là, tu vois, j'ai pris un raccourci en fait juste à gauche. Tac, et là, il y a le feu qui est là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais
Non, toi, va chier. Je vais retourner là-bas et là maintenant je vais aller prendre le TP. Maintenant que j'ai bloqué en fait, tu vois le. Oui, j'avais complètement oublié l'ascenseur. Tu penses? Parce qu'au final c'est plus proche en fait. Je fais la boule au final maintenant. Hop, je rebondis. Est-ce que je prends le TP ou je prends l'ascenseur? Après avec le même avec la TP je pourrais revenir à côté. Ok. Here's the boss boss. L'ascenseur je pense qu'il monte. Ouais c'est un délire Enko. C'est un bon délire. La comète nocturne elle m'a bien servi en tout cas contre. Wow 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 wow. Elle m'a bien servi contre l'autre con hein. C'est ça qui a fait le fight hein. Donc ouais contre les ennemis humains. Elle est invisible et... Donc je me demandais en fait en même temps son utilité. Si elle coûtait une chier de mana, elle faisait pas beaucoup de dégâts. Je comprenais pas l'utilité tu vois bah. Ah là y'a. Non mais j'ai pas de. Je suis d'accord mais j'ai pas de feu à côté quoi. Il est loin quand même. Regardez pas mon écran les gars. Genre vraiment pas, je pense. Emote only. Vite, s'il vous plaît, un modo, si vous pouvez. Merci, Soukian. Non. Hush, little Calva. I'll soon birth thee anew, a sweeting, fresh and pure. Vraiment un gros connard, hein. Certaines qui avaient des trucs et d'autres là. Ouais, je sais, j'arrive pas à viser. Stylé. Vas-y. De toute façon, je vais retravailler les fioles. Par contre, c'est fou qu'il n'y en ait pas un à côté, quoi. Ça, c'est un vrai problème. Je pense que j'ai dû rater un truc. Hein.
Ça, ça me sert à rien. On va le faire sauter. Ça, je me dis que ça peut peut-être être pas mal. Après, non, ça a traqué. Ça va pas faire beaucoup de dégâts. Il me faut un truc qui fait mal là. Ça j'ai. Un truc qui me fait mal là. Vous voyez, qui va chercher le taper là. Ah, on va écouter, on verra. Les fioles. Les fioles pour l'instant, clairement. On va faire en 4-4. Ok. Parce que là, même en allant à gauche. Fabrication d'objets là, est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait m'aider? Non. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi encore? Pour que tu puisses streamer et que je puisse continuer le jeu, c'est ça? Suivre. C'est tout à fait envisageable. C'est là qu'on va voir que tu te réveilles. Oh, ça, c'est beau ça. Je suis pas allé au bon endroit. Ah, attendez. Attends, là y'a pas un. Là, vous voyez, là y'a un problème. C'est impossible que pour un boss comme ça, y ait pas de feu. C'est pas possible. Ou alors c'est ultra mal foutu et j'y crois zéro. Le jeu est très bien foutu depuis le début. Donc je comprends pas à quoi c'est le raccourci là pour le coup. Ou alors faut que je prenne le TP. Hein. Je pense que je vais prendre le TP, Nat-Nat. Hein. Et revenir parce que. Peut-être que le TP va me permettre de trouver une ruine, quelque chose. Parce que là, enfin, je me retaper le trajet à chaque fois, c'est horrible. Et y a un truc. Y'a un bibelot. Ouais, c'est ça, c'est en mode y a 100%, y'a un bibelot, y'a un truc quoi. Attends. Déjà, je vais retourner faire le tour. Ah ouais, non mais ok. Y'a une porte que j'ai pas ouverte. C'est ça. Et oui, ça serait juste devant. Ok. Je crois que j'ai trouvé. Nat-Nat. On va voir. Bon, j'ai trouvé la porte que je voulais ouvrir. Oh, ouais, je suis très fort. Non, ouais, c'était bidon. C'était tout bête. Fallait utiliser le super pouvoir de la localisation. De se localiser. Et là, qu'est-ce qu'il y a en haut là? Du bon sens pour le coup, plutôt. Parce qu'on ne voyait pas, mais c'est du bon sens. Le super pouvoir. Oh putain! Ok, c'est parti. Vous êtes prêts, ça va faire mal. Tu peux enlever l'emote only, s'il te plaît. Putain! Con de boss! Pas con de mob! Fais chier avec sa tête! Je rêve de péter sa tête! Non. De quoi ou ça? Il parle d'où? Il parle d'où la tête? Ah. Il parle de quoi? Est, ouest, sud, nord? Ah, t'as trouvé la Sofria déjà, ouais, ok. On regarde ma map si tu veux, Damien. Okay. Et t'as fait le boss à l'heure de Sofria ou pas encore? Ça serait énorme des finishes. Bah, techniquement, c'est les front stab et les back stab, hein, les finishes, Arkel. Ni plus ni moins. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. Avec le fait qu'il y ait un break, déjà, c'est. Nat-Nat! Mais oui, on va négocier horaire. On parlera après, on va négocier horaire. La négociation va être ferme. Les viewers de Nat, si vous voulez avoir du stream Natamaquin, va falloir se réveiller le matin.
Oui, mais après, parce que je me dis que peut-être qu'on peut le péter autrement, tu vois, son gros casque. À force de s'acharner dessus, j'ai eu envie de tester, moi, mais... Donc, j'ai ouvert, en gros... Attends, je vais te montrer un peu. Donc, là, c'est là où il y a le boulet, ok. Là, c'est là où j'attaquais l'autre connard. Là, il y avait une porte fermée, ok. Mais c'était tout bête, en fait. Je me dis, elle est à gauche. Bah, donc, je fais le tour. Mais, et en fait, voilà, je me dis, il y a rien. Bah, hop, un petit balcon. Pof, pof, pof. Et puis, voilà. Et donc là ensuite je vais grimper et là il y a des ennemis et je suis en train de faillir. Oula. Je dois rater un sorcier. Il y a Jean-Michel ici. Attends, déjà il y a lui là. Est-ce que je peux lui mettre un fucking backstab à lui? Ok, non. Très bien. Ah, et puis ils sont deux en plus. Ouais, en fait je l'avais aggro juste lui, bah c'était bien de l'avoir aggro juste lui. Putain. Tu marches. Et je pense que c'est comme ça que je vais trouver à la fois un raccourci et un feu pour Michelin. C'est sûr. Parce que là je suis... Enfin c'est trop trop loin. C'est relativement safe, mais c'est long quoi. Faut faire ça, faut esquiver le boulet et tout. Ce genre de boss, t'as juste envie d'y aller. Comme... Il y avait rien. En fait, en gros, on a sauté pour aller là-bas. C'est juste un. En fait, pour cette porte, elle te sert comme. Tu comme tu peux pas revenir en arrière. Ils ont été obligés de mettre une porte pour que tu puisses en fait revenir. Enfin, je peux pas m'expliquer ça. Travel, je me suis laissé tomber pour aller dans la zone qui est derrière. Et donc, je pouvais pas remonter. Et donc, il faut que tu mettes une porte, c'est pour que faire en sorte que les niveaux se rejoignent. Vous, c'est le plus mignon de toute façon. Un peu plus de saignement sur ton saignement, c'est ça? Les forges sombres. Toi, tu peux l'infuser? Tu peux être une graisse? Ah, je peux pas, moi, sur la mienne. Putain. Oui. Putain, mais quel enfer! Dans un endroit clos comme ça. Trou, remonter, trou. Je vois pas, le trou est trop petit. Je peux pas tirer quand je suis sur l'échelle. Non, faut que j'y goûte sur lui, hein. Ah, t'as pas le scaling dessus? De scaling, tu veux dire? J'en ai jamais... J'ai jamais fait pour l'instant, parce que moi, ma seule arme... Les deux armes que j'ai eues, j'ai pas eu de... J'ai rien eu, quoi. Enfin, c'est des armes... J'ai que... Soit j'ai une que je peux rien à changer, c'est le bâton météorique, ou là, mon katana, en fait, qui a déjà son pouvoir. Parce que ce gros mob il est nul à chier le chat hein. Là la problématique c'est que je l'affronte dans une arène minuscule le haut et avec un trou. Donc c'est insupportable en fait. C'est horrible. Parce que lui c'est un boss d'ailleurs initialement avec la taxe hein. Avec la taxe Maximax. Mais là. Là c'est complexe. Bon. Tiens on va essayer ça. Attendez, on va essayer un autre truc. Non ça va pas marcher, faut que je mette un gros truc chargé. Faut pas que j'ai peur. Ça, c'était stylé. Tu l'as raté le kill, Nat. Je l'ai déchiré en plus de l'eau.
C'est dommage, je l'ai vraiment déchiré. Je suis assez fier de moi. T'as pas du tout eu? Oh. Oh. Quelqu'un peut faire un petit clip au pire s'il vous plaît? Parce que je l'ai vraiment, mais je l'ai perfect. C'était... Oh. Oh putain. Encore la tête scarabée à la con. Un balcon pour... Non. S'il y a un balcon, c'est pour se laisser tomber en dessous. Je vais y aller, hein, je check un peu les... Enfin, lui, c'est un mytho. Passage secret droit devant, je vais tester. Mais non, parce qu'il n'y a pas... Bim. Dénigré. Hein. Bim. Je l'ai défoncé, le mini-boss. Ah. Non, 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 je pense qu'il faut être là-bas. C'est quoi le deuxième bip? Ok, alors on va y aller. Faut se laisser tomber, non, pas tant. Putain, je suis deck parce que je pensais vraiment que c'était là, tu sais, pour accéder au boss, c'est pas du tout. Oh. Oh, ça c'est une très grosse rune dorée. Et là, ça m'amène au TP. Hein. Écoute, je vais essayer le TP hein, parce que c'est trop bizarre que. C'est trop bizarre en fait que je sois aussi loin du feu de la meuf quoi. Il y a même pas d'effigie de Marika. C'est la première zone ça? Où est-ce que ça m'amène? Tu as fait de Marga ou une Volca? T'as fait la tienne? Ah mais... Attends mais... Ça m'a ramené à... What? Ça m'a ramené à l'église des vœux? Greetings. Oh! Plein de trucs. Do you possess any... La rose céleste c'est le truc que j'ai looté. Then I would like to share my knowledge with you. Et si je pourrais en acheter une autre à 7500? Ça se trouve, faut que j'en apporte un peu comme les mortefleurs à l'autre, tu vois. Ah bah tiens. Pourquoi je peux me retéver là-bas dans le order of the Erdry and the fate of the moon were conjoined. And all the ah bah c'est avec plaisir, s'il te plaît. Forgiven. Ouais, Marga, c'est simple. This miracle blesses the church to this day. And so you need to follow Radagon's example to restore any bond, however strained or severed, to its rightful state of harmony. Ok. Attends, il a point à prendre par rien, on est d'accord. Oui. 9, 14. Ah! Oui, on va voir ça. Mais, the miracle rooted in these grounds, and this time, if you would be Elden Lord, tarnished, I hope that you too will share my. On verra ça, on peut être écoutant. To experience the miracle, ah! Kneel in the basin at the back. Donc là, maintenant que j'ai la rosée céleste, qu'est-ce qu'elle va faire le miracle? Potions sont restaurées. Ah, mais j'ai rien à expier, tu vois. Parce que là, maintenant, Attends, on va voir, mais... Ouais, c'est ça, en fait. La rose céleste, c'est un m'expier. Donc il m'en faut aussi que je m'expier, mais j'ai rien à expier. Je suis trop pur. Donc Radagon, ça, c'est les deux, tu vois. C'est elle que j'affronte, là, je crois. C'est ça. Parce que Radagon l'a abandonné pour Marika. When the Academy rebelled again. Ok, c'est pour ça qu'il est là-bas. Donc le TP, ouais, pas ouf, hein. C'est là-bas. Je suis un peu dubitatif du TP, pourquoi ils ont mis un.